civile. Je voudrais dire non, qui peut engager, qui peut payer, qui peut demander la réparation, qui est le demandeur à la réparation, monsieur le président. Ici, il faudrait demander que, quand vous lisez François Terre et Alex Wen, il est dit que c'est la victime principale qui a qualité en réparation du dommage né de la commission de l'infraction. Et lorsque vous lisez aujourd'hui pratiquement, qui est la victime principale? C'est M. Kunku Ilobelvis. La question qui se pose maintenant, M. le Président, c'est lorsque cette victime est décédée, mais qui doit maintenant venir en réparation? C'est là que je vais demander à la République de lire les dispositions pertinentes des articles 758, 755, 756, 758 du Code de la famille, qui vient maintenant établir, qui dit, l'article 758, dispose ici, M. le Président, que les droits, j'ai fini votre problème, M. le Président, j'ai fini votre, je suis en train de chuter, mais permettez-moi de chuter tranquillement, risque de me fracturer. Monsieur le Président, merci beaucoup. L'article 756 dit que les droits et obligations du découvreur passent à ses héritiers. Traite de la transmission de droits. Et là également, vous avez qu'il s'agit d'une disposition légale non discutable. Et là, la Cour suprême de justice a décidé ce qui suit, M. le Président, qu'il a été jugé que les articles 758, 756, 758 et 882 accordent aux enfants du découvreur la vocation successorale sur ses biens et à ses titres. Ils y sont habilités à rester en justice pour la sauvegarde de ceci et même avant l'intervention de l'ordonnance d'investiture s'agissant de lui-même. Monsieur le Président, vous allez voir même que la jurisprudence est revenue indépendamment parce que si la qualité n'est pas liée à l'héritier, la qualité est liée ici, Monsieur le Président, à la lésion qu'on a subie. C'est là qu'il a été dit, Monsieur le Président, qu'il a été dit que toute personne lésée par une infraction peut demander une réparation du dommage qui lui a été causé, mais ce dommage doit résister directement de l'infraction. Donc vous allez comprendre, Monsieur le Président, que en ce qui concerne la République n'a pas lu le dossier parce que les pièces justificatives de notre qualité sont versées dans le dossier. Et pour mettre Étienne Mbella, ne plus prendre la parole, je dépose sur les bancs mes notes de plaidoirie et le reste. Beaucoup de choses ont été dites. Promesse déterminée. Les prévenus à procéder à l'arrestation du pauvre Bélis. Les tortures. Les tortures. Nous commençons toujours par les cas, méthodiquement par les cas. Tim Belvis considéré comme téméraire. Nous disons que Belvis, parce que c'est d'une exécution, est consécutive à son arrestation arbitraire, suivie des tortures. Arrestation ordonnée par Doli Makambo, comme démontré si haut. Lorsqu'il décide de tirer à bout portant sur Belvis, les prévenus et Kawa cherchent à mettre définitivement un terme à la contestation des agents de la clinique de Djana contre la spoliation de leur terre. Il avait donc toutes les raisons de croire qu'il agissait conformément à l'ordre reçu du prévenu Makam, qui par ses actes et attitudes antérieures a montré clairement qu'il fallait à tout prix briser la résistance des agents de la clinique de Djana pour permettre ainsi à son ami Bakachuraki de prendre enfin possession de ce qu'il pense être son bien régulièrement acquis. Quand au prévenu Bakachuraki, enfin, le financier de la bande, c'est lui qui, pardon, offre aux promesses, a déterminé la présence permanente des policiers sur les lieux en vue de briser toute velléité de résistance de la part des agents de la clinique de Djana.
L'arrestation arbitraire de la victime Belvis procède de la détermination de M. Batura qui, s'appuyant sur son ami Doli Makambo, de faire taire définitivement la résidence. Le meurtre commis matériellement par les prévenus Ekawa rentre dans la logique voulue par les prévenus Batura. Neutraliser toute résistance, permettre l'érection rapide des nouvelles bâtisses pour la clinique du Djana, ainsi récupérer la portion des terres qu'il a acquis frauduleusement de main de la soi-disant succession au Kenge. Donc, sa responsabilité en tant que provocateur est entière et identique à celle des Kawa, dans la mesure où ce dernier a tiré à bout portant sur la victime, voyant agir conformément à l'ordre reçu du prévenu Bakachuraki. Monsieur le Président, pour terminer, après toutes ces analyses, nous reconduisons totalement nos réquisitions. Ces procès, Monsieur le Président, nous les voulons pédagogiques. Il doit donner l'occasion aux uns aux autres de comprendre que les responsabilités que l'État, les responsabilités que le peuple nous confie ne sont pas un privilège. Ne sont pas un privilège, mais plutôt une charge que nous devons porter dans le respect des lois de la République. Ce procès, comme celui de Boukaou qui a conduit à la condamnation du député, de son rang et sa qualité, qui commettra des infractions au moyen des armes de guerre, ou qui incitera les militaires ou policiers à commettre des infractions contraires à leur devoir ou à leur discipline, se verra exposé à des poursuites en flagrance. Nous irons avec eux en flagrance, Monsieur le Président, parce que si nous leur demandons d'élever l'immunité, ils ne lèveront pas l'immunité. Ce sera des querelles politiciennes. Nous les amènerons en flagrance. Nous les bloquons et nous les amènerons en tout temps. Monsieur le Président, honorable de la Commission, dans cette cause, l'hémicycle ne va plus prendre. Mais c'est une honte. Ce procès, c'est un procès de la honte. Et le ministère public ne devait pas se glorifier. Contrairement à ce qu'il est en train de dire ici, la population ne veut pas des actions iniques. C'est faux. La justice élève une nation, pas l'injustice. Et non ce qu'on est en train de rétiger dans son bureau. J'ai dit votre nom. Nous n'avions pas voulu offenser le ministère public qui demeure parti au procès comme toute partie. Mais lorsque le ministère public vient avec légèreté, vient avec précipitation pour vous présenter les prévenus, il doit s'assurer qu'il dispose dans sa gibecière les armes nécessaires pour affronter la défense. Lorsque le ministère public est dépourvu des armes nécessaires, d'arguments nécessaires consolidés par des preuves parce que nous sommes en matière pénale, les preuves sont libres. Le ministère public était libre d'amener les éléments probants des preuves qui pourraient charger les prévenus. Mais à l'impossibilité ni l'intenir, à l'impossible ni l'intenir, lorsque le ministère public est au bout du souffle, la partie civile qui s'estimait à tort s'appuyer sur les béquilles du ministère public, à ce jour, est clouée à son tour au pilori parce que les éléments de preuve font défaut et la dénaturation des faits par le ministère public a été prouvée, démontrée devant les logistes de haute cour par voie des conséquences. Votre logiste de cour dira non établi par participation criminelle au mode de correité, toutes les infractions mises à charge du prévenu Bakachurak. S'agissant de l'incitation des militaires, il y a un élément important qui n'a pas été relevé par les ministères publics. Les ministères publics a oublié que son prédécesseur d'hier avait déduit que, partant de la disposition de l'article 112.7 du code pénal militaire, il y a trois concepts qui ont été retenus par les législateurs, à savoir la provocation, l'engagement et puis l'assistance. Pour le ministère public siégeant hier, il avait dit que Monsieur Semey, l'honorable Semey,
pour lui, on avait retenu l'engagement comme l'effet d'incitation. Et il a tenu cet engagement-là du fait que toujours les moyens financiers que M. Semey aurait mis à la disposition de la succession. Depuis quand le fait pour un paisible citoyen d'appuyer ses dettes, on a démontré preuve à l'appui avec les actes ici, que M. Semey n'avait en aucun jour contact avec un policier qui que ce soit. Nulle part il vous a été démontré, ne fût-ce qu'une petite décharge, que soit le provenu de l'Imakam aurait perçu une somme quelconque, soit on aurait donné une somme quelconque aux policiers. Mais il a été prouvé ici que le provenu Bakachura qui... Les provenus Bakachura, je cite, avaient versé au moins l'argent en guise de l'appuiement d'une partie de la créance qui était restée, à savoir 64 500, mais ils n'avaient payé que 20 000. Laquelle somme, quoi de plus normal, si celle-ci a aidé la succession pour pouvoir entamer les travaux en respectant les conditions consolidées dans les rapports de la commission qui découlait du compromis pris avec l'hôpital du Jana. Par voie des conséquences, vous allez constater que tout ce a proposé à la haute autorité votre condamnation. En application de l'article 17 du code judiciaire européen, votre condamnation à 10 ans de sécurité pour la personne. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a également demandé à la haute autorité de considérer les prétentions de parti civil qu'ils ont présentées. Qu'est-ce que vous dites de tout ce qui s'est dit ici? Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que je continue à clamer mon innocence. J'avais suivi la plaidoirie de mes avocats, l'instruction, je suis resté constant dans mes explications. Je suis loin de cette affaire et je vous demande de m'acquitter pour aller vaquer à mes occupations librement. Parce que je ne connais rien de cette affaire et je n'ai pas commandité ce crime. C'est tout? Oui. Je vais Bakachura. Vous avez suivi ce qui s'est dit, ce qu'on dit, vos conseils. Et donc, je vais vous battre tout en sollicitant de la haute communauté votre acquittement. Tout en sollicitant de la haute communauté votre acquittement. Tandis que la mission publique, lui, a proposé votre condamnation à la haute communauté votre condamnation. Donc, il a fait application de l'article 7 pour le ciel militaire. Votre condamnation à 10 ans, c'est militaire. Et de prendre en considération les prétentions de participer. Quant à l'exaction civile, qu'est-ce que vous. Quel est votre dernier mot par rapport à tout ça? Merci beaucoup pour la parole. Je continue à affirmer que je suis non coupable de cette affaire. Parce que. Les avocats vous ont montré, noir sur blanc, que je suis un acheteur de bonne foi. Je n'ai pas de problème avec personne. Je n'ai rien fait à cette affaire. Je ne connais personne. Je continue à confirmer que je suis non coupable. Et je vous demande de me laisser aller vaquer à mes occupations. Une petite assise et la haute communauté demande au conseil des partis de déposer leur nom de plaidoirie au lycée public qui sont réquisitoires, au greffe, dans le meilleur délai. Cette cause, la cause. Je déclare le débat clos pour nous faire suffisamment informé. Je déclare le débat clos et la haute communauté prend cette cause en délibéré. L'arrêt
interviendra dans les heures qui suivent. L'audience est suspendue.